que Mama B ne veut pas qu'on s'assoie sur la table. Et d'ailleurs, pourquoi ce serait la tienne? Je ne vois pas ton nom écrit dessus. Il est écrit maintenant. Alors dégagez, sinon... Sinon quoi? Salut, les carpettes. Le clair déverrouille les portières. Ouvre-moi la portière, porte-moi et pose-moi à terre avec délicatesse. Maintenant, rapproche le resto. Un trajet de 5 mètres, c'est trop pour mes petits pieds. Oh, Wade, ne pourrais-tu pas avoir un peu plus de compassion pour ce pauvre killer? Je te reconnais bien là, Mama B. Tu te sens toujours concerné quand il s'agit de défendre la cause des opprimés. Tous les hommes ont les jambes qui flageolent quand une femme montre de la compassion. Vous en êtes sûr? C'est vrai, Wade. Je pense que tu devrais avoir plus de compassion pour ton pauvre domestique. Moi? Plus de compassion? Mais je suis l'être le plus compatissant qui existe. Killer, j'ai du chewing-gum sous ma chaussure. Et voilà, tu recommences. Tu exploites ce pauvre killer. Pourquoi, Wade? Pourquoi? Tu devrais le laisser libre d'agir de lui-même. Libre de parcourir les autoroutes et les chemins de traverse. Libre de venir au resto et de stationner où il veut sans être obligé de décoller ton chewing-gum. Tu as dû le voir dans tes rêves. Je pense qu'il avait une poussière dans l'œil. Oui, il a raison, tu as rêvé. Non, non. Il m'a fait un clin d'œil parce qu'il a été touché que je prenne la défense de ceux qui sont exploités. Killer, tu dois quitter Wade. Tu dois le faire pour toutes les humiliations et pour toutes les tâches avilissantes qu'il te fait subir. Non, c'est faux. Je réfute ces accusations. Killer, essuie mon nez. Killer, viens avec moi et ta vie n'en sera que meilleure. Libère-toi du joug de ce tyran. Sois libre de faire tes propres choix. Tu vois, Portia, il hésite. Il pense que je suis un employeur juste et au grand cœur. Tes accusations ne tiennent pas debout. Il en est conscient. Killer, baille pour moi. Killer, je t'ai dit de bailler pour moi. Où est le problème? Killer, je ne tolérerai pas un acte d'insubordination de la part d'un domestique. Je t'ai dit de bailler, alors fais-le sur le champ. Ne l'écoute pas, Killer. Viens avec moi, je t'offre la liberté. Et cette délicieuse sucette de toutes les couleurs. Allez, viens. Non, Killer ne va pas avec elle, c'est un ordre. Tu n'as plus d'ordre à lui donner. À partir de maintenant, Killer est un homme libre. Il démissionne. Non, on ne démissionne pas de chez moi. Killer, tu es viré. Non, c'est lui qui a démissionné. Carpette. Je n'ai plus besoin de cet ingrat que j'ai surpayé, que j'ai suralimenté, bon débarras. Surpayé? Suralimenté? Ça tombe bien. Eddie et moi, on est à la recherche d'un boulot, Wade. Oui, et être surpayé et suralimenté, c'est notre spécialité. Vous deux, travaillez pour moi, laissez-moi rire. Ce jour-là n'est pas encore arrivé, je suis parfaitement capable de me débrouiller tout seul. Portière, ouvre-toi. Oh, vous pouvez commencer demain. C'est fait, Mama B. Vous avez su toucher ma corde sensible. Killer vient d'abandonner son maître tyrannique qui l'exploitait. C'est fini, il ne sera plus jamais au service de Wade. Et ce grâce à la petite révolte que j'ai provoquée. Je n'ai jamais vu quelqu'un de si efficace. Il a l'air de prendre du plaisir à travailler. Je vais téléphoner à Killer. Killer. Killer!
Je lui ai rendu sa liberté et il n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Et le service n'a jamais été aussi bien fait. Killer a l'air d'aimer ce tuer à la tâche. Je crois sincèrement que nous pouvons être fiers de nous. Tout le monde doit profiter de la qualité de ce service. Killer, va nous chercher plusieurs clients. N'est-il pas le meilleur? Il est libre, il agit de son plein gré. Sa liberté, c'est à moi qu'il la doit, c'est pour ça qu'il m'obéit. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous avais dit d'astiquer les voitures! C'est ce qu'on fait, Wade. Pièce par pièce. Ensuite, Eddie les remontera toutes. Ouais, ceci est fait. Ah, vous avez démonté mon plus beau modèle de collection. Je vais... Tu vas faire quoi? Nous virer? Et tu te retrouveras seul, sans personne pour lasser tes chaussures et brosser tes dents? Ou te nettoyer les oreilles? Seul? Je dois dire que c'est ingénieux d'avoir démonté mon plus beau modèle de collection pour surélever la limousine. Comme il est content. Il est heureux d'être ici, hein? Et si aujourd'hui il est libre, c'est grâce à moi. Mais je ne lui demande rien en retour. Tu me connais, n'est-ce pas? Je me sens toujours concernée quand il s'agit de défendre la cause des opprimés. Est-ce que tu as vu ça? Davy m'a envoyé un baiser. Mama Bé avait raison. Il aime ce que je fais pour autrui. Fais gaffe à ce que tu fais. C'est l'herbe que tu dois tondre. T'inquiète pas, elle repoussera. Je suppose que ta magnifique demeure est assurée. Ça suffit, je ne peux pas en supporter davantage. Je dois tout faire pour que Killer revienne. Et il reviendra parce que je réussirai à le convaincre. Ensuite, je pourrai virer ces deux bons à rien. Eddie, je veux que toi et Digger me conduisiez auprès de Killer. Maintenant. Pas de problème. Est-ce que je peux conduire? Tu n'as même pas ton permis. Waouh! Cette limousine tient très bien la route. Hey Wade, demain on peut prendre congé? Ouais, on n'est pas habitué à travailler dur. Accordez, prenez tous les congés que vous voulez. Vous pouvez même en prendre jusqu'à la fin de votre vie. Vive les vacances! J'ai tellement de lessive qui t'attend à la maison. Je ne comprends pas pourquoi Killer est reparti chez Wade. Oh, ne sois pas triste, ma petite chérie. Certaines personnes aiment être au service des autres. Alors, je pense que je ne lui ressemblerai jamais. J'ai besoin de me sentir indépendante. Jamais je ne mènerai une vie comme la sienne. Hey, Davy, est-ce que je peux te